Une journée se lève, comment ça va? On va expliquer aujourd'hui l'interrogation. Pour faire une question, to make a question, on peut trouver plusieurs manières. We can find many ways. Exemple, tu vas aller au stade. You go to the stadium. OK, three ways. The first way is the same. Tu vas aller au stade et à la fin, point d'interrogation. OK? On peut faire l'inverse. Va, le verbe, premièrement, le verbe, et après le sujet. Vas-tu au stade? OK. Et à la fin, point d'interrogation. La troisième manière, the third way, est-ce que tu vas au stade? Are you going to the stadium? You should put est-ce que. OK. La deuxième phrase. Ahmed a une règle. Le thème, Ahmed a une règle, à la fin, point d'interrogation. Ahmed a-t-il une règle ou a-t-il une règle, point d'interrogation. Est-ce qu'il y a une règle? Il y a une règle, à la fin. OK. Troisième phrase, Mona a un vélo. Mona has a bicycle. Mona a un vélo, point d'interrogation. Mona a-t-elle un vélo ou a-t-elle un vélo? Est-ce qu'elle a un vélo? Elles ont des livres. They have books. Elles ont des livres. Ont-elles des livres? Est-ce qu'elles ont des livres? OK. Transforme les phrases affirmatives en phrases interrogatives. Transforme the affirmative sentence to the interrogative sentence. OK. I will put on every sentence one way only. OK. Le match commence à 10 heures. OK. I will put est-ce que le match commence à 10 heures. Et à la fin, point d'interrogation. Very easy. Tu veux du lait. You want some milk. OK. I will put the verb. Veux. Tu. Du lait. Very easy. Et à la fin, point d'interrogation. Mona achète une robe. Mona buy a dress. What we can do here? Achète, remember, achète telle qui est elle, Mona, right? Achète-t-elle une autre? Et à la fin, point d'interrogation. OK, il va au cinéma. Donc, il va au cinéma. The same. OK. Vous avez des devoirs. I will inverse. Here, we'll do inverse. Avez-vous des devoirs? Do you have homeworks? Very easy. Okay, merci. All right.